Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 5 des chiffres et des nombres. Donc euh, nous allons étudier le chiffre 100. Euh, normalement aujourd'hui vous savez compter de 0 à 99, donc j'espère que vous maîtrisez bien. Euh, sinon ben, je vous propose de revoir les vidéos euh, de la partie 1 à la partie 4. Donc c'est très très important de bien maîtriser euh, les chiffres de 0 à 99 puisque vous allez voir que ben, en fait on n'invente rien, on les réutilise. Donc 100. Alors 100, 101 donc 101 se, se, se compose en fait euh, c'est très très simple, on réutilise tous les chiffres qu'on a qu'on a étudiés avant. Donc 101 c'est 100 plus 1. Voilà. 110. Ici c'est 110, et eh bien c'est 100 plus 10. Ici nous avons 120, 100 plus 20. Voilà, 160, et eh bien c'est le chiffre 100 plus le chiffre 60 ici. 170 c'est le chiffre 100 plus le, chi le chiffre 70. 171, et eh bien c'est le chiffre 100 ici, plus le chiffre 71 180. C'est le chiffre 100 plus le chiffre 80. Donc ici, 100 plus 80. 181, c'est le chiffre 100 plus le chiffre 81. Donc ici, 81. 190, eh bien, c'est le chiffre 100 plus le chiffre 90, ici. 191, c'est le chiffre 100 plus le chiffre 91. Donc vous comprenez que toute cette partie-là doit vraiment être maîtrisée. Pour, pour pouvoir s'en sortir. Donc ensuite on attaque 200. Donc ici c'est 200. Donc l'unité elle est avant 200. Et puis euh, si on veut continuer à compter, par exemple 210, et eh bien c'est exactement la même règle, règle, pardon, que 110, sauf que c'est 210. Voilà. Donc 200 et 10. Voilà. Alors on continue, on continue. Alors 200, donc ici nous avons 200, alors la différence c'est qu'il y a bien un petit S hein, ici, parce qu'il n'y a pas d'unité derrière, et puis ben c'est au pluriel, hein, 200, et comme vous savez au pluriel il y a toujours un S. Donc 200 ici c'est 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a à nouveau les chiffres hein 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est vraiment important de les maîtriser. Ensuite, là, je vous ai mis un, un chiffre un peu compliqué, mais je suis sûre que vous allez réussir à en trouver. Donc, ici, nous avons 999. Donc, on a le 900, d'accord, qu'on a vu précédemment, ici, 900. Et puis, on a le chiffre 99. 99 qu'on a vu dans les parties 4. Enfin, dans la partie 4, pardon. Et puis, 1000. Voilà. Donc, ici, vous avez vraiment la totalité. En principe, euh, vous savez compter aujourd'hui jusqu'à 1000. Et puis, euh, alors, je vais vous proposer un petit exercice hein, pour, euh, pour pratiquer, parce que ça fait beaucoup d'informations. Je pense que rien de tel que la pratique. Donc, je vous propose des nombres et euh, à vous de les écrire en lettres. D'accord donc, euh, donc ça fait appel aux vidéos 1, 2, 3, 4, et puis évidemment la vidéo 5. Vous pouvez vous en appuyer, hein, vous pouvez vous, vous appuyer sur, sur les vidéos précédentes. Et puis je vous retrouve juste après pour la correction. Donc vous pouvez mettre en pause. Alors correction. Donc je vais d'abord vous les lire. Je vais d'abord vous les lire en, en à haute voix, et puis ensuite on voit comment ça s'écrit.

Alors, ici 120, c'est simple, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans le slide d'avant. Donc on a le chiffre 100 plus 20, 120. Ici, c'est 200 plus 20. Ici, c'est 100, toujours, plus 75. Ici, c'est 200 plus 75. Ici, c'est 300 plus 75. Ici, c'est 500, donc 500. Plus 25 ici c'est 800 plus 88 ici c'est 900 plus 80 et vous voyez ici il y a un S parce qu'il n'y a pas d'unité derrière alors qu'au-dessus 888 eh bien le 20 ne comporte pas de S parce qu'il y a le 8 derrière d'accord ici il y a 80 toujours un S. 980 et le dernier qui est facile 100 99, donc 100 plus 99. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à revisionner toutes les vidéos pour vraiment vous entraîner. Et puis, euh, et puis je vous dis à bientôt.